Eh bien bonjour les amis! Je continue l'ascension infernale de cette tour de merde, mais en chemin, j'ai trouvé ça. Cette boule verte là-bas qui brille. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ok, je dois y aller avec ça, c'est bon, j'ai compris. Je me demande ce que c'est. Voyons voir. Invulnérabilité. Ah bah merde. Juste avant que je commence la vidéo, il y avait une vague d'ennemis hyper chiante qui m'a attaqué. Et je les ai vite poutrés pour commencer la vidéo. Mais bon, j'aurais dû choper ça avant. Ok, c'est bon. J'ai compris. Comment on peut continuer par là? Voyez la route des enfers, pavé d'énergie argent. Ça sent le secret par là, non? J'ai toute ma vie, donc ça c'est bon. Bon, ça c'est pour l'histoire, je devrais prendre ça. Ça c'est des munitions. J'ai apparemment j'ai tout. À tous les coups, il y a... C'est abusé comme dès que je commence une vidéo... Ah bah voilà. Dès que je commence une vidéo... Je cherche les secrets directement. Moi je mettrais la santé. Hein. Oui, la santé. Voilà. Ça c'est une amélioration de santé donc. Maintenant je suis à 175 au lieu de 150. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre secret? Non, je pense que c'était tout honnêtement. Ouais, je pense que c'était tout. Ouais. Donc, on va appuyer là-dessus. Beaucoup d'écrans tactiles hein, dans cette station. Voyez la route des enfers, pavé d'énergie argent. Ça fait quoi en fait? Drone de condensateur A, reprise du cycle de transfert d'énergie. Je dois appuyer sur celui-là maintenant. Ascenseur verrouillé. Voyez-la. Oh, ça a activé ces trucs. Je peux passer là du coup. Non, 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 non. Pardon? Oh merde, j'aurais dû monter dessus. Oh merde. Merde, est-ce qu'il va revenir? Oui. Est-ce qu'il rentre dans le trou? Oui. Oh putain. C'est quoi ce cycle à deux balles, sérieux? Il rentre et maintenant il va ressortir. Voilà. Hop. Donc là, il va falloir que je m'accroche quelque part, hein, là-haut. Mais où? Pire, je monte sur ces braves métalliques là. Sinon je vais là. Ouais, je vais là. Ok. Ah, il se plante là du coup. Oh putain, heureusement qu'il s'est agrippé, il m'a foutu les plombs. Parce que voilà, la chute elle commence à être vertigineuse. Tu peux aller là-bas? Oui! Putain! Ah, des fois on a l'impression que ça passe pas. Maintenant, ah, je crois que je sais. On va attendre qu'il y ait un truc qui se plante là, je sais pas trop ce que c'est. Ah, ça sort de là-dessous. Ah merde, pourquoi il sort là-bas et pas ici? Parce qu'ici, il n'y en a pas. Pas là où j'étais. Voilà. Voilà. Un petit secret par là. Apparemment pas. Apparemment c'est par là que ça se passe. Oh putain. Putain, c'est. C'est face de plateforme dans les FPS, c'est quelque chose. Hein. Ah ok, j'ai passé dans l'éclair, je savais pas. J'ai deux munitions là-dessus, vraiment. Attends, prends ça. Ouais, c'est mieux quand même, ça.
ça, on peut les buter un peu à l'avance. Ces petits filous. Là où ils sont. Oh merde, dessous il y a un truc, on est d'accord. Peut-être pas. Peut-être pas. Oh, ça monte vite. Ok, un truc là-bas. Une porte là. Est-ce que si je vais là, je peux grimper là? Ah, pas vraiment, hein. Ça glisse un peu. Eh merde. Allez, salut. Putain. Attendez, je vais peut-être brancher mon ordi parce qu'il commence à être faible en batterie là. Voilà! Pile le temps du chargement. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi ils m'ont fait repop là? Ah, parce que je dois aller là-haut. Peut-être que je peux juste pas y aller maintenant en fait. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ok, donc j'ai fait un peu de la merde là. Oh, deux d'un coup! Pas mal ça. J'ai plus de mun. J'ai plus de mun sur rien du tout! Non, prends pas le lance-roquette, prends ça. Oh, encore un avec un bouclier là. J'ai plus de mun au secours. Vas-y ça. Ok. C'est le one shot, le lance-roquette. Bon, normal en même temps. Encore heureux, j'ai envie de dire. J'ai plus de mun, non, rien du tout, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Non, c'est pas ça que j'ai sélectionné, c'est ça. Faut que je fasse des kills à la tronçonneuse, c'est pour ça. Bah, y a pas de secret vraiment nulle part. Non? Apparemment pas. Donc on va par là. Ouf, comme il a croisé les bras avec Man. Malgré tout, ça n'a servi à rien. Voilà. Ah, j'ai essayé de faire un saut pour écraser la tête, ça marche pas. Je dois remonter par là, mais là évidemment sans doute il y a un secret. Je sais pas où il sera exactement, mais il y a clairement un secret. Oh, j'ai tenté le diable là. Qu'est-ce que je vous disais qu'il y a un secret? Évidemment, évidemment, on commence à connaître le jeu maintenant. On commence à connaître le jeu. Là, c'est quoi? Ça va s'ouvrir ce truc? Non? Je suis quand même pas venu là juste pour une caisse. Je te croirais pas si tu me dis ça. Et là alors c'est quoi? Bon, ça a l'air un peu profond. Ah ah! Base de données méga santé. Intéressant. Voilà, il est là le truc, ok. Ok, bon, on va se le faire. On va se le faire tout de suite. Remets du shotgun éliminé 10 rétifs avec des barils explosifs. Ok. Ça va le faire, non?
D'accord, moi je pense que ça devrait le faire. Baril explosif, ok. Santé basse, 1 HP. Attends, mais je dois... Ah ouais, je dois pas tirer sur eux, c'est ça le truc. Je dois tirer sur les barils explosifs qui vont les buter eux. Oh, c'est chaud en fait. Donc il faut que je les... Ouais, c'est ça. Faut que je les fasse marcher sur des barils et puis... Ensuite que je tire dessus. Oh, putain. La merde que c'est pas. Bon, ce sera jamais bon. Ouais, mais bon, voilà quoi. Ça prend 30 ans, j'en ai eu combien? 4. Oh, voilà quoi, mais non. Vas-y, viens. Viens. Oui, c'est bon. Voilà, bon, en fait c'est facile. Améliore l'efficacité des éléments d'équipement, je sais pas ce que ça veut dire. Ça doit sûrement être bien. C'est quand même un jeu ultra arcade. Hein. Tu dois faire des petits défis pour débloquer des trucs. Moi j'aime bien. Parce que c'est vrai que finalement, une des limites aux possibilités que tu peux créer dans un jeu vidéo, attention, c'est un sujet sérieux. Une des limites de ce que tu peux créer, c'est quoi? C'est le réalisme. Parce que le réalisme a ses limites. Là où Doom a été intelligent, c'est qu'il chie sur le réalisme à tous les instants. Genre rien que le fait que tu peux faire des glory kills à main nue, alors que t'as une arme entre les mains. Oh yes, j'ai un deuxième truc. Normalement, il devrait lâcher son arme, poser son arme à côté, le frapper, faire un glory kill, et après reprendre son arme. Tout ça, ça se fait en une fraction de seconde. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Pour l'instant, on a l'aspirateur, on peut mettre confusion. Augmente quoi? La valeur des munitions récupérées sur les démons. Ça peut être bien, ça. Hein. Surtout que je suis à court de munitions. Ouais, vas-y. Attends, c'est quoi? Améliore l'efficacité des éléments d'équipement. Je sais pas ce que c'est les éléments d'équipement, moi. Non, vas-y. Voilà. Là, j'ai rien. Là, j'en ai 6. Je pourrais éventuellement mettre là-dessus. Les balles percent les cibles. Vas-y. Le prochain, c'est quoi? Tirer deux fois avec le super shotgun avant de devoir recharger. Oh, ça me plaît ça. Et ce sera prochainement ça. Je dois aller où? Là-bas? Non. Où dois-je aller? Il y a un garde d'élite là-bas que j'ai pas vu. Vraiment. Ah mais je dois monter par l'intérieur, attends. Par là.
ça. Ouais, c'est ça. Puis apparemment, j'avais pas tilté. Ah ouais, je peux monter par là, en effet. En fait, c'était pas du tout un secret, c'était juste le vrai chemin. Encore une fois. Encore une fois. Et apparemment, les gardes d'élite sont indiqués sur les maps. Ah ouais, ah celui-là, je l'aurais raté. Celui-là, j'aurais raté, je pense. S'il était pas indiqué sur ma map. Putain, merde, je fais n'importe quoi. Putain, mais je commence à... J'ai quasiment tous les secrets, vous avez vu? Incroyable! Je pourrais presque avancer plus vite, en fait. Vous n'arriverez pas à m'empêcher d'obtenir ce qui me revient de droit, ce qui m'avait été promis! C'est vrai qu'elle est toujours en train de fuir, malgré le temps qu'on prend pour chaque mission. Elle a toujours pas eu le temps de fuir. Je peux pas prendre ça, je dois être full munitions. Ok, y a pas de secret, c'est bon. On y va. En bas, y a quoi? J'ai pas trop envie de savoir. Ouais, non, je vais pas aller en bas. Ok, y a deux objectifs là-dessus. Ah, ok. Bienvenue dans l'UAC. Ouvrez les portes de l'enfer avec la clé de l'avenir. J'ai toutes mes armures, j'ai toute ma santé, j'ai tout, tout, tout. Intéressant. Là, je prends mon temps parce que c'est typiquement là qu'il y a des secrets sur les bureaux d'ordinateur et des trucs comme ça. Genre là. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le tableau ? Ah, joli dessin. Là. Non. Là. Non. Apparemment pas cette fois. Cette fois, y a pas de secret. Eh bien, très bien. Ça ne se finira pas de cette façon. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle ne pompe à vélo? Passage atteint. Oh non, lui est chiant. Lui, ils ont beaucoup trop de vie par rapport à leur petit corps chétif. On dirait qu'ils sont tout faibles, mais pas du tout. Regardez le temps qu'il faut pour en buter un, hein, c'est incroyable. Incroyable ça. Ah, par contre, 3 roquettes ça suffit. Okay. Je savais pas. Bon. Tiens. Ah non, c'est bon. Le lance-roquette, c'est quand même puissant. Mais vas-y, fais le glory kill, putain. Oh fuck. C'est quoi le décompte là? Oh putain, mais ils sont intranquilles, sérieusement. Quel cauchemar. Le gros, c'est un vrai cauchemar. J'ai fait péter. Bon là, ça ramouille quand même un petit peu. Hein. Ça rame à mort. Mais c'est pas trop mal, ça me laisse le temps de voir ce qui se passe. Ah non, c'était scripté. C'était scripté, ok. Exploration, tout ça, tout ça, tout ça. On est à 19 minutes. Ok. Épreuve runique, ok. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais m'arrêter là-dessus parce que. Un bon petit point où s'arrêter. Et je vous retrouve la prochaine fois. Allez, à plus.